Moi, j'adore tout l'univers audiovisuel et surtout la télé. J'adore me mettre en scène, j'adore faire des vidéos, j'adore être acteur. Et j'avais la possibilité de faire mes premiers pas dans Tellement Vrai, une émission haut de gamme, hein, la classe. Et puis, en fin de compte, ben, je me suis dit que oui, j'avais envie de continuer. Et quand la proposition est arrivée, ben, j'ai pas hésité. Et puis, bon, en même temps, Prince de l'amour pour un mec comme moi, c'était tellement gros, je me suis dit, allez, faut y aller, quoi. Enfin. En fin de compte, je suis pas du tout prince d'amour. Je galère tellement avec les filles, j'étais tellement moche avant, j'ai eu aucun succès. Et là, on me dit, y a des... tu es la star, des filles viennent pour toi, et en plus, apparemment, elles t'aiment bien. Alors, vas-y, j'y vais. Bah alors, c'est un bilan l'heure grave, un bilan un peu nuancé. Premièrement, un bilan un peu nuancé parce que ben, je me voyais pas trop mec de la télé-réalité. Je suis complètement différent des autres. Et puis. Avoir toutes ces filles autour de moi, toutes ces relations, tu vois, ça fait un peu collège, ça fait un peu genre, ah, t'es sorti avec lui, t'es ça. C'est pas du tout moi. Mais en fin de compte, je m'y suis habitué, j'y ai pris goût, j'ai rencontré des gens formidables, les mecs, ils étaient au top, les filles, il y avait des vertes et des pas mûres, t'avais des connasses, t'avais des biens. Mais non, c'est une expérience positive. Moi, j'avais demandé le cliché blonde, yeux bleus, j'ai été servi, j'ai eu des blondes et tout. Non, pas toutes plus. Mais au moins, j'étais franc avec elle. Je m'y intéressais. Tu vois, j'ai pas fait le mec. Je t'apprécie comme ça et derrière en interview, je te casse derrière. Absolument pas. J'ai toujours été clean, j'ai toujours été respectueux. Et ce que je voulais pas, c'est surtout avoir des conflits, avoir des. Comment dire, des faux culs, tout simplement. On va décortiquer cette information. Donc, je me serais battu avec Beverly. Ok? Altercation. D'accord, bah, donc on va dire garçon contre fille, le mec normal, hein, respect, il sait se prendre au plus faible. Elle me crie dessus, Beverly 50 kilos tout mouillé, moi 80 kilos de muscle, béate comme je suis. En fait, Beverly a pris les devants, enfin, j'ai pas lu l'article, elle a pris les devants et puis elle a voulu défendre sa position avant que ne sorte la vérité dans l'émission. Mais on verra l'émission, on va voir ce qui se passe et puis tout le monde fera son opinion. Encore une fois, c'est puéril, c'est ridicule.